Salut à tous, c'est MXR118. Aujourd'hui, je cale. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo enduro. Avec les YCF, hein, évidemment. Et attention, regardez, est-ce que vous êtes prêts? Tada! Regardez ça! Si c'est pas le paradis. Par contre, j'ai pas de pneus arrière. Ça glisse à mort. Il a plu et tout. Enfin, c'est hyper limite. Regardez le paradis là! J'ai aucune adhérence. Bon, allez! On descend. Wouh! C'est tellement bien ici! J'étais venu juste une seule fois. Visiblement, il y en a d'autres qui sont venus. Je suis jamais monté par là. Enfin, j'ai essayé l'autre fois, mais j'ai pas réussi. On va descendre déjà. Regardez, c'est saoulant ici parce que, en fait, ici, il y a c'est un petit passage d'eau là, tout le long du truc. Et du coup, on peut pas trop prendre d'élan parce que ça tape, moi j'ai des petits trous en plus. On va monter ça là. Oh. Et voilà, tout simplement. Mais c'est n'importe quoi tellement que ça glisse là. Oh, j'ai froid aux mains en plus là. Oh, c'est bien ici. Regarde comment ça fait. Un immense terrain de jeu ici. Posez-moi aussi vos questions dans cette vidéo pour les FAQ. Parce que ouais, faut que je fasse la FAQ là. Mais j'ai pas assez de questions. Je dois avoir environ 6-7. Donc allez posez-moi vos questions là dans cette vidéo. Je fais de l'enduro, j'ai plus de sabot moteur. Le sabot moteur s'est coupé en deux. Et l'autre partie, je sais pas où elle est. Voilà. Et l'autre fois, j'étais en face là. En ligne droite. Alors en fait, j'ai déjà vu cet endroit sur Google Maps. Jamais venu parce que j'avais jamais trouvé d'accès. Et là je trouvais un accès et du coup bah je viens. Je sais pas ce que c'est ça. Ouh mais regardez. Ah il y a l'autoroute là. Oh ce serait tellement bien qu'on puisse monter ça. Attends je vais voir de l'autre côté si on peut pas y monter. Ouais non il y a beaucoup trop d'arbres. Que je fais là. Voilà. Oh le petit saut. Oh, ça patine. Est-ce que je tombe d'ailleurs? Bon, d'accord. Parce
quand même joli ici. En moteur. Je suis en deuxième. Avec ça, c'est moteur. Wouh! On va aller là vite fait. Et voilà, vite fait. Oh, j'ai fait me prendre l'arbre. On va essayer de faire cette montée là. Elle est hyper dure. Je l'ai déjà essayé deux fois, je l'ai jamais faite. Je me suis arrêté environ 8 heures. Bah, comment ça se fait que j'arrive là? Je vais vous montrer l'état de mes pneus juste pour que vous voyez. Voilà, je sais pas si vous voyez très bien, mais en gros ils sont morts. Oui. Il y a un mur là. Ouh. Là ça glisse trop, faut que je trouve un autre endroit. Dites-moi si vous voulez que je retourne ici. Super cool. Voilà. Je m'attendais pas là. Ici c'est une réserve d'eau parce qu'il y a une autoroute à côté, je pense c'est une réserve d'eau pour l'autoroute. Je sais pas, au cas où s'il y a un truc qui prend feu, enfin je sais pas. Mais là c'est vide pour l'instant. Donc voilà. Allez, je vais monter ça là, je l'ai descendu mais je l'ai pas monté. Je mets en 3. Mini terrain de VTT qu'on a fait avec, que je fais avec un copain. Donc dites-moi si vous voulez des vidéos sur ce terrain, je vais vous montrer là. Donc voilà, regardez, donc ici déjà il y a une triple, là il y a une double, ensuite là il y a un virage avec un saut à la fin, ici il y a une double, ici il y a un virage que je vais pas prendre, ici alors là il y a une bosse où on saute entre un arbre. Ici il y a une longue, je crois elle doit faire 2 mètres. Ici il y en a une autre. Et là à côté il y en a une autre. Et là il y a une mini bosse sans recette. Avec un autre virage ici. Et voilà. Et donc c'est la fin de cette vidéo. Lâchez un gros pouce bleu, abonnez-vous. Et voilà, bah. Dites-moi dans les commentaires. Que je fasse des vidéos ici en vélo et aussi posez-moi les questions et voilà, bon allez, à plus.